écoutez, merci d'être venu aujourd'hui cet après-midi. Je vais présenter, bien sûr, les participants et un petit peu la toute petite règle du jeu de cet après-midi, dont le thème c'est l'éternité en héritage, pourquoi et comment les entreprises survivent-elles ou durent-elles, qui est un sujet crucial, c'est même le sujet capital de toute entreprise, nous allons le voir. Bon, moi je m'appelle Félix Torres, je suis consultant, éditeur et surtout je dirige un cabinet d'histoire entreprise. Il s'appelle Public Histoire, qui avait commencé sa carrière à Blois en 1985, donc il y a déjà 30 ans, voilà, avec Saint-Gobain, et on avait fait un premier colloque sur l'histoire d'entreprise qui a été un petit peu un acte fondateur. Et depuis, bon, bah, j'ai fait beaucoup d'histoire d'entreprise, j'en ai dirigé beaucoup et j'ai connu beaucoup d'entrepreneurs, dont l'un est à côté de moi. Voilà. À côté de moi, j'ai Philippe Dordano, qui dirige la société Sisley, qui est président directeur général de Sisley, donc qui nous parlera en tant que chef d'entreprise et en tant que chef d'entreprise d'une entreprise familiale, puisque c'est la deuxième génération à la tête de Sisley. À ma gauche, j'ai un peu plus loin Alain Bleu, qui a écrit avec Isabelle Lamotte un excellent ouvrage sur le thème l'éternité en héritage. Alors, je ne sais pas si les entreprises visent l'éternité, mais enquête sur les secrets de la résilience des organisations. Hélas, ce livre est épuisé, mais enfin, c'est un excellent travail sur pourquoi les entreprises, quelles sont les caractéristiques des entreprises qui savent durer. Un peu plus loin, j'ai Philippe Mioche. Voilà. Ah, pardon, excuse-moi, je te vois. Jean-Pierre Davier, voilà, il est à ma droite. qui est une professeure à l'Université d'Aix-en-Provence, spécialiste des entreprises et notamment de la sidérurgie. Ah bah écoutez, je me mélange. Vous êtes Philippe Mioche? À Aix-Marseille Université, c'est le résultat d'une fusion récente et j'ai beaucoup travaillé sur ce qu'on appelait autrefois les industries de base, sidérurgie, aluminium, chimie. Je reprends le fil. Jean-Pierre Davier, tu m'excuseras Jean-Pierre. Jean-Pierre Davier est professeur à l'université de Cachan, spécialiste de l'histoire des entreprises. Il a fait beaucoup d'histoire d'entreprise. J'aimerais l'interroger tout à l'heure sur l'une d'entre elles qui s'appelait le CCF, qui était une très belle histoire bancaire, mais comme chacun sait, le CCF a été racheté par une banque beaucoup plus grande, une banque britannique en l'occurrence, qui s'appelle HSBC. À ma droite, Hubert Bonin. Hubert Bonin. C'est bien lui, chercheur au Greta et à Sciences Po Bordeaux. Hubert a fait beaucoup d'histoire d'entreprise dans tous les secteurs. Il est d'abord spécialiste d'histoire bancaire, mais il a fait beaucoup d'histoire dans l'agroalimentaire. Je crois qu'il a un petit peu écumé toutes les histoires d'entreprise correctes et superbes dans la région bordelaise et l'Aquitaine au grand large. Donc son regard assez vaste, assez large, pourra un petit peu nous éclairer sur comment les entreprises durent, et justement, peut-être aussi à l'échelle régionale. Alors, sur ce thème, moi j'ai envie de dire, c'est un thème important. Pardon ? Non, c'est bon. C'est bon, mais tu parleras tout à l'heure. C'est bon. Si, c'est bon. Non, c'est un thème capital, parce que longtemps dans la théorie économique ne connaissait pas les entreprises. Elle connaissait des acteurs économiques assez abstraits, mais elle ne connaissait pas les entreprises. Elle connaissait un petit peu les entrepreneurs, hein, vous savez, cet homme façon Bill Gates ou Chaptal ou d'autres qui, à partir de rien, à partir d'une idée ou à partir de beaucoup de crédits ou d'effets de levier, puisque aujourd'hui, la grande figure de l'entrepreneur, c'est Patrick Dahi, celui qui crée un empire dans le câble et dans la télécommunication. Il y a un homme un peu au-dessus des autres qui fait quelque chose qui n'existait pas avant lui. Et c'est l'entrepreneur. Acteur économique, entrepreneur, mais quand un entrepreneur réussit, il s'entoure d'autres personnes, de collaborateurs, une dizaine, une centaine, quelquefois une centaine de milliers, hein, quand ça va très vite, ça devient une entreprise, ça devient une organisation. C'est-à-dire que l'entreprise, c'était la grande découverte de quelqu'un qu'il fallait peut-être citer rapidement, qui s'appelle Ronald Coase, il a écrit un article en 1935, qui a eu le prix Nobel d'économie par la suite. Son article a été redécouvert 30 ans plus tard. Elle a dit, écoutez, c'est bien, il y a des entrepreneurs, il y a des acteurs, mais il y a des entreprises. Les entreprises, elles ne se contentent pas de faire des bénéfices chaque année. Elles ont une durée, elles ont une résilience. Certaines naissent, certaines meurent, et certaines durent. Et certaines durent plus que d'autres. Donc je pense que cette table ronde, on est vraiment au cœur de qu'est-ce que c'est qu'une entreprise, et pourquoi une entreprise dure, se pérennise ou ne dure pas. Bon,
un secrétaire d'État au Trésor qui s'appelait Paulson avait un jour dit, après la crise d'Enron, qui est une entreprise qui avait fait faillite au début des années 2000, a dit les entreprises naissent, elles meurent, c'est ça le génie du capitalisme. Oui, mais entre-temps, il y en a certaines qui durent. Et certaines durent plus que d'autres, et d'autres moins que d'autres. Donc on est au cœur du sujet. Alors je voulais lancer 5 thèmes qui vont un peu orienter notre discussion. Le premier, c'est le thème même de la pérennité. Nous sommes dans un congrès d'histoire, dans une ville d'histoire. Donc le mot même de pérennité de l'entreprise, de s'interroger sur pourquoi les entreprises durent, a une histoire. Et je dirais, il est apparu dans la littérature de management il y a à peu près une vingtaine d'années avec des livres comme justement « La pérennité des entreprises » ou « Bâti pour durer », « Built to last » en anglais. Donc pourquoi ce thème aujourd'hui? Rapidement, moi j'ai envie de dire, mais c'est une thèse rapide, peut-être est-ce que ce n'est pas lié au capitalisme actionnarial qui est le nôtre aujourd'hui, purement axé sur le profit à court terme, pour aller vite. Et donc, au-delà du profit à court terme, les entreprises, elles ont aussi d'autres buts. Et un but, c'est aussi de gagner de l'argent, mais aussi de durer pour durer. Donc, première question à mes invités, pourquoi la pérennité, pourquoi ce sujet neuf, qui a une vingtaine d'années, pourquoi aujourd'hui, et pourquoi on ne le posait pas dans les Trente Glorieuses ou au XIXe siècle, à ma connaissance. Bon, le deuxième thème, il est clair qu'il y a des entreprises qui sont plus pérennes que d'autres, et on les connaît toutes, on croit toutes les connaître, c'est les entreprises familiales. C'est évident qu'une entreprise familiale, on a des exemples classiques, ici à côté de moi, Sisley, Hermès, d'autres, elles durent parce qu'il y a une famille, plusieurs représentants d'une famille, qui transmettent à une deuxième, à une troisième, voire même une quatrième génération. Un historien célèbre, un historien très connu, qui nous a quittés, qui s'appelait Lévy Le Boyer, avait appelé ça, il y a un article célèbre en histoire économique, la théorie des trois générations. C'est-à-dire qu'au-delà de la deuxième génération, à la troisième, le sens du départ, l'énergie du fondateur, ça se dilue un petit peu comme avec le patrimoine. Donc la question, elle est, bien sûr, on a constaté que les entreprises familiales marchent mieux que les entreprises qui ne le sont pas, souvent. Mais moi, je pose la question, surtout à Blois, alors que Saint-Gobain fête ses 350 ans, qu'est-ce que c'est que la résilience, la pérennité d'une entreprise familiale, en quoi est-elle différente d'une entreprise qui n'est pas familiale et qui est anonyme depuis des années, sinon des siècles. Troisième thème, est-ce qu'il y a des secteurs qui sont plus propres à la pérennité que d'autres? Il est clair que quand on est dans les secteurs, je dirais, d'industrie lourde, quand on investit, je pensais au ciment, au plâtre, ou à d'autres secteurs, ou la sidérurgie à une époque, quand vous investissez dans une usine, ce sont d'énormes capitaux, l'usine est là pour 10-15 ans. Donc clairement, la durée d'une industrie qu'on appelle, dans le jargon, B2B, hein, business to business, c'est-à-dire des entreprises qui essentiellement travaillent pour d'autres entreprises, de biens intermédiaires, il est certain qu'on ne fonctionne pas de la même manière que quand on vend des yaourts. Hein, j'ai fait l'histoire de Yoplait, donc je peux en parler. On vend des yaourts, bah, écoutez, c'est quelque part, rapport au consommateur, même si la marque a une mémoire, a une histoire, beaucoup plus immédiat, B2C. Est-ce que donc dans les industries lourdes, dans les industries de biens de consommation, B2C, et dans les industries de services, on a un sens différent du temps et de la pérennité? Est-ce que certaines le sont plus ou moins que d'autres? C'est déjà beaucoup de thèmes. Quatrième thème, à mon avis le plus important. Une entreprise, elle est quand même là pour gagner de l'argent, pour faire des performances, pour améliorer sa compétitivité, sa productivité, pour se développer. À un moment donné, est-ce qu'elle est là seulement pour survivre? Est-ce que survivre n'est pas antinomique de la volonté de durer? Et là, on pose une question qui est très cruciale pour les entreprises françaises aujourd'hui. Je pense à un exemple classique, parlé avec plusieurs historiens à table, qui est celui du rapprochement entre Lafarge et Holcim en Suisse. Dans ce rapprochement, justifié pour des raisons de coût, d'économie, d'échelle, est-ce que ce n'est pas aussi sacrifié? J'espère qu'il n'y a personne de Lafarge dans la salle, qu'il me pardonne. Il y a un historien de Lafarge dans la salle, donc il pourra peut-être intervenir. Est-ce que ce n'est pas sacrifier quelque chose qui est quand même très précieux, qui est la pérennité du groupe Lafarge, qui, comme je vous le rappelle peut-être, était né dans les bords de la vallée du Rhône, dans la carrière de Lafarge, en 1830 à peu près, et qui était une des grandes entreprises classiques françaises, qui était devenue mondiale dès les années 50, en allant au Canada. Donc la pérennité, oui, faut-il la conserver à tout prix, au prix de la baisse du taux de profit? Et dernier thème, si on a le temps, l'histoire de l'entreprise, les récits d'entreprise, sont-ils un outil de pérennité ou est-ce qu'ils ne sont pas aussi un outil qui nous empêcherait empêcherait les entreprises d'aller plus loin et qui figerait l'existant ou un certain passé, sachant que l'entreprise est toujours confrontée à des univers de dépassement.
Alors sur mon premier thème, je vais enfin donner la parole à mes invités. Je voulais demander à Alain Bloch, justement, pérennité. Vous avez écrit un livre sur le sujet. Est-ce que c'est un vieux sujet? Est-ce que c'est un sujet neuf et pourquoi? Écoutez, je crois qu'on peut émettre l'hypothèse qu'il y a deux raisons. Il y a une raison un peu conjoncturelle qui fait qu'on s'intéresse probablement à la pérennité des organisations. C'est la rapidité des disparitions. Je crois quand même que dans les quelques années qui se sont écoulées, on a vu des disparitions d'entreprises, de très grosses entreprises. Bon, on pense tous à Enron, on pense tous à Arthur Andersen, des entreprises qui précisément qu'on croyait immortelles, qui ont disparu vraiment à une rapidité époustouflante. Voilà. Finalement, l'époque récente nous a rappelé que, avec une certaine cruauté, qu'effectivement les entreprises étaient mortelles. Et donc on s'est probablement intéressé de façon un peu conjoncturelle à cette question de la pérennité. Je crois qu'il y a une raison plus profonde, et vous l'avez évoqué, c'est effectivement qu'il y a un mouvement depuis quelques années assez important de remise en question d'un certain capitalisme financier. Dans les années 70, on a laissé s'installer ce paradigme de la création de valeur pour l'actionnaire et finalement, s'étant suivi ce qu'on appelle la financiarisation de l'économie. Et vous avez dit tout à l'heure, d'ailleurs, vous avez cédé à cette mode, puisque vous avez dit finalement une entreprise est faite pour gagner de l'argent. Non, elle n'est pas faite pour gagner de l'argent. L'argent, c'est un moyen et c'est une mesure de son résultat. Mais l'entreprise, c'est d'abord un projet. C'est d'abord un projet collectif. D'ailleurs, ce matin, Jean-Louis Beffa le rappelait avec son talent habituel. C'est d'abord un projet collectif. Et je crois que la pérennité du projet, pour ceux qui y participent, est un élément absolument moteur. On mobilise les hommes dans une organisation autour d'un projet, pas autour du profit. Ça ne motive personne de dire on va être les plus profitables de la place. Ce qui motive les gens, c'est d'avoir le sentiment de participer à une aventure collective. Et une entreprise, c'est d'abord une aventure collective. Et donc, je crois que la pérennité de projet, la pérennité du projet que représente une entreprise est en fait au cœur de sa compétitivité bien comprise. Et c'est ce qu'on a d'ailleurs un petit peu démontré avec Isabelle Lamotte dans notre ouvrage. C'est que à travers cette pérennité, la réalité, c'est qu'on retrouve une performance de long terme qui est supérieure à la performance de court terme. Je sais que j'ai un défenseur à ma droite de cette question de l'horizon de temps, mais il a mille fois raison. Notre livre, on l'a fait à la suite d'un premier ouvrage qui traitait des entreprises familiales, où on a effectivement découvert que les entreprises familiales étaient plus performantes dans les périodes de crise que leurs homologues non familiales, comme si elles se concentraient sur ces épisodes de crise justement pour survivre, parce que pour eux, la pérennité de projet, qui est aussi la pérennité du patrimoine d'une famille, est évidemment essentielle. Mais je crois qu'il faut ne pas perdre de vue que cette question de la pérennité, elle est tout de même centrale pour les gens qui vivent le projet. Et dire que la pérennité serait au fond une mode après d'autres et un thème managérial nouveau, non, je crois que fondamentalement, quand on est un acteur d'un projet, on a envie qu'il dure. Je crois, pour ma part, c'est une conviction ou une hypothèse, que les organisations sont faites pour durer et que leurs créateurs, les entrepreneurs, quand il s'agit d'entreprises, ont toujours dans la tête un rêve d'éternité. Comme le général de Gaulle disait que tout officier avait dans sa tête le rêve d'un soir de gloire au pied d'un drapeau, ben je pense que tout entrepreneur a dans sa tête le rêve d'un destin quasi éternel à l'organisation qu'il fonde.
Voilà, je crois que c'est pas qu'un effet de mode. Il y a des raisons conjoncturelles, mais il y a des raisons beaucoup plus profondes qui font que ce thème remonte à la surface. À la Bloch, merci. J'ai Hubert Bonnet à ma droite. Tu as commencé à faire des histoires d'entreprise il y a très longtemps. Comment tu juges ce thème de pérennité ? Est-ce que dans les années 70-80, on le posait de la même manière ? Je sens que je vais à nouveau me montrer provocateur. Je rappelle que bientôt, nos collègues de l'École des hautes études vont déménager à Aubervilliers, qui est une banlieue tout à fait charmante. Ils vont s'installer rue Saint-Gobain, car sur ce site, de part et d'autre, avait travaillé une énorme usine chimique, pas du verre, mais de la chimie, Saint-Gobain, et devenu ensuite Péchinet, Saint-Gobain ou autre. Et par conséquent, moi, je suis en complet désaccord avec ce qui a été dit ce matin, avec ce qui va être dit et vient d'être dit cet après-midi. La pérennité de l'entreprise, pour moi, ne se mesure que si elle est considérée comme un simple agrégat d'actifs. D'ailleurs, la famille Ornano a vendu une première société Ornano, puis une deuxième. Vous êtes la troisième, si je ne me trompe pas. Donc vous ne vous êtes pas gênés, vous-même, les Ornano, pour vendre vos actifs. Donc, non, je suis en complet désaccord, c'est ça le paradoxe, je suis le prof de fac, et je m'oppose à un consultant, mais aussi prof de fac, par ailleurs. C'est-à-dire que pour moi, l'entreprise n'est qu'un portefeuille d'actifs, et qu'elle n'est faite que pour gagner de l'argent, ou du moins pour en faire gagner. À ses actionnaires, je ne parle pas ici des salariés, bien entendu, qui ne sont qu'un actif, parmi d'autres, y compris dans les entreprises nationalisées ou contrôlées par des gouvernements de gauche, on le voit chez Air France. Donc, l'entreprise, elle appartient à des gestionnaires d'actifs qui gèrent des trilliards de dollars, ce qu'on appelle des gestionnaires d'actifs ou fonds de retraite, etc. Elle appartient à des fonds d'investissement, voire même à des fonds d'investissement spéculatifs. Et par conséquent, l'entreprise doit gagner de l'argent. Si elle n'en gagne pas, c'est-à-dire si elle est surendettée, en achetant par exemple des entreprises, par exemple des cimenteries au Moyen-Orient, comme l'a fait Lafarge, elle est surendettée, elle s'affaiblit, sa marge disparaît et elle n'est plus viable. Tandis que Saint-Gobain a inauguré un float à Ain El Sorna en Égypte en 2010, elle n'a pas racheté une entreprise qui existait, je ne pense pas qu'il y avait des verreries en Égypte, sinon jadis, au temps de Ramsès. Et donc, elle a investi 130 millions d'euros. Donc, elle ne s'est pas surendettée. Pour l'entreprise, elle est faite pour gagner de l'argent et pour ne pas trop en perdre, pour ne pas se surendetter, en un mot, en taux d'intérêt, même si les taux d'intérêt ont profondément baissé. Donc, je suis un peu provocateur. L'entreprise est un agrégat d'actifs et elle est confrontée à ce tonnerre qui gronde sur les grandes entreprises, comme l'a intitulé fort bien Les Échos il y a le 21 septembre dernier, c'est-à-dire à la fragilité de son modèle économique, business model, diraient les gestionnaires. Car nous sommes bien, et là l'historien, les historiens ici, peuvent en prouver. Lui, il a perdu Sassilor, usine en Solac. Oui, non mais tous, nous avons vécu des pertes de notre matériau d'études lors de rachats, de dépôts de bilan, surtout des rachats. Et nous sommes confrontés au darwinisme. Alors je sais bien que c'est un mot que l'on n'aime pas en français. Darwinisme, le darwinisme, oui, le darwinisme, ce sont les entreprises qui sont destinées de toute façon à mourir. Or, nous sommes d'autant plus confrontés à nouveau à ce risque, comme on l'a déjà été dans les années 74, début des années 80, au moment de la transition entre la deuxième et la troisième révolution industrielle, qu'à certains moments donnés, l'intensité des risques devient énorme à cause des mutations dont nous n'avons pas parlé aujourd'hui, mutations technologiques, et par conséquent, l'entreprise est confrontée à un risque d'inclinaison de sa trajectoire de croissance. Et dès lors, elle va faire moins d'argent, ou elle va se surendetter, genre Peugeot, et disparaître, ou être récupérée
pas un Superman chinois. Et dès lors, on est bien confronté à la fragilité. L'historien, c'est l'historien de la fragilité. L'historien d'entreprise, pardon. C'est l'historien de la fragilité dans les autres domaines aussi, d'ailleurs. Et par conséquent, j'ai écrit, j'ai écrit l'an dernier un article qui a heurté beaucoup de communicants de banques, qui m'ont téléphoné, m'ont harcelé. Quelle est la plus vieille banque française ? Alors, j'avais obtenu de l'argent en subvention de Neuflis OBC, qui m'a dit vous mentez, nous on date du 18e siècle. Non, Neuflis OBC a été racheté par ABN AMRO dans les années 75. ABN AMRO a été racheté par l'État néerlandais. Donc, on ne peut pas nous dire que c'est la même banque que celle qui était au 18e siècle. L'un de nos proches amis, Roger Nougaret, qui est pourtant proche ami, m'a dit c'est honteux ce que tu écris. La BNP Paribas date de 1848. Non, BNP Paribas ne date pas de 1848, même si c'est certains de ses ancêtres, car, vous le savez, BNP, Banque Nationale de Paris, a racheté le Quintin en 1966, l'État a racheté, etc., la privatisation, etc. Donc, on est dans des logiques, et la plus vieille banque, c'est MPS, montée Pachy de Chienne en français, et qui elle-même est à vendre parce qu'elle est en faillite. Et par conséquent, je voudrais évidemment être le rabat-joie de cette table ronde. Oui, l'entreprise est faite pour gagner de l'argent. Oui, elle n'est qu'un agrégat d'actifs. Et d'ailleurs, ce matin, M. Beffa nous a dit qu'elle avait vendu la moitié du portefeuille d'activité de Saint-Gobain pendant les années, où, 25 ans tout de même, où il avait été président. Donc, il faut insister sur cette fragilité, si je puis m'exprimer, et sur les risques du darwinisme. Merci Hubert d'ouvrir. C'est en sortant le débat. Alors, avant que Alain Bloch et Philippe Bonanno réagissent, Jean-Pierre, on a parlé de l'histoire de la banque. Qu'est-ce que vous en pensez ? Merci de me donner la parole. Donc, je voudrais revenir sur différents points. D'abord, il me semble clair que dans l'histoire, un peu mise à l'honneur ce matin par le président Beffa, qui est un grand lecteur de Fernand Braudel. Il y a d'abord des entrepreneurs, et puis petit à petit, on bâtit des entreprises. Si on relit effectivement l'histoire de ce qui annonce nos entreprises à la fois au moment de la Renaissance, et puis même avant, avec un livre tout à fait sublime de Jean Favier, « L'or et les épices », je vous le conseille comme lecture à la fois d'agrément et de culture. Ces grands entrepreneurs de Venise ou d'autres villes, de Gênes, de Florence, étaient d'abord des hommes. Il n'y avait pas de structure administrative. Alors ils envoyaient des neveux, des beaux-frères à Londres, dans les grandes places, pour avoir de l'information. Recueillir de l'information sur les taux de change, les risques de guerre. Ils étaient souvent en très bonne relation avec le pape et l'Église, auxquels ils prêtaient de l'argent, surtout quand les papes étaient mécènes. Et cela avait un avantage, c'est que l'Église disposait de l'information dans toute l'Europe. Donc ils étaient à la source même de la valeur de l'information. Bon, je n'insiste pas. Donc deux lectures, Braudel, comme l'a dit le président Beffa, et puis Favier. Alors, un troisième homme est à citer, c'est Schumpeter. Alors, chez Schumpeter, à la suite d'ailleurs un peu de Jean-Baptiste Say, qui parmi les économistes avait déjà parlé de l'entrepreneur, il y a un très beau tableau de ce qu'est l'entrepreneur comme homme. Psychologie de l'entrepreneur, créateur, visionnaire, homme d'un projet. Mais Schumpeter est à la lisière de deux mondes parce que il observe autour de lui. N'oublions pas qu'il a fini par se fixer aux États-Unis. Il est devenu citoyen américain. Il a écrit en anglais à la fin de sa vie. Il était à Harvard. Il a observé les entreprises américaines et là, il a constaté la naissance de la grosse structure. Il y a toujours des entrepreneurs, mais il y a la grande organisation, bien conçue, rationnelle, Standard Oil, les voitures de l'automobile, etc. Et il s'inquiète un peu d'une dichotomie
dans sa tête, hein, il est un peu mélancolique entre l'entrepreneur comme homme et l'entreprise. Cela étant, je crois qu'il force un peu le trait et en réalité, dans une entreprise, il y a toujours des entrepreneurs. Donc il faut bien distinguer les deux, mais ne pas les opposer complètement à l'époque actuelle. Il y a des façons d'être un dirigeant d'une grosse organisation comme Saint-Gobain et d'avoir l'esprit d'un entrepreneur. Alors je crois qu'une des raisons pour lesquelles ce thème revient, c'est qu'aujourd'hui, nous sommes un peu fascinés tous par la figure des nouveaux entrepreneurs qui ont gagné beaucoup d'argent dans les firmes plus ou moins liées à Internet. Bill Gates et tout ça. Donc eux nous ont un peu ramenés à ces hommes de la Renaissance et du Moyen-Âge. Ça nous a un peu éloignés de l'entreprise en nous disant, oui, ce qui est valable, c'est de fonder une start-up. Moi, j'ai un fils qui travaille dans une start-up. Il est très facilement directeur financier d'une structure où il y a 10 personnes. Bon, on l'évite à ce compte-là, si vous voulez. Mais la boîte va couler dans 3 mois. Il n'est pas triste. Il se dit, mais je vais me mettre dans autre chose. Il y a chez certains jeunes l'idée que, oui, il y a comme un retour de l'idée d'entrepreneur par-delà les structures. Alors, par contre-coup, nous aimerions nous dire qu'il faut combiner les deux. Il faut trouver un moyen d'être à la fois entrepreneur, au sens où l'est M. Beffa, et puis grande entreprise comme l'est Saint-Gobain. Il faut essayer de penser les deux. Alors, on est dans un monde un peu incertain où on se dit, est-ce que la grosse organisation est trop rigide, trop liée à sa nature de portefeuille d'actifs? Effectivement, nous avons tous des connaissances qui travaillent dans la banque, on n'arrête pas d'acheter, de revendre. Il se passe quelquefois 50 secondes, parce que c'est géré par des programmes informatiques, entre le moment où on achète, 10 000 actions de quelque chose, et le moment où on les revend. Donc là, c'est la gestion portefeuille d'actifs. Et nous aimerions nous dire, c'est pour ça que ce thème a été adopté pour nos rencontres, nous aimerions nous dire qu'il y a un moyen de concilier la nécessaire initiative de l'entrepreneur un peu héroïque et visionnaire qui a un projet, et puis des formes d'organisation à inventer. C'est le défi, c'est le pari. Maintenant, moi, je suis historien, donc je n'ai pas toutes les solutions. Mais c'est un peu pour cela que ça revient à la mode, à mon avis. Merci Jean-Pierre. Philippe Mioche, Pierre fait l'impatience. Philippe, vous avez travaillé justement sur des secteurs qui ont fait la gloire de la France, on va dire, ou des grandes entreprises, on parlait Jean-Pierre Davier, le management, les structures, etc. Et elles ne sont plus là. Quel est votre point de vue sur le sujet, alors ? Merci. Je ne suis pas au chômage, comme historien. D'abord, je vais dire que je voudrais jouer le jeu, c'est-à-dire répondre de façon concise à la première question en introduction et garder des cartouches pour après. Et dire que par un malin hasard, je suis à la droite de Hubert, ce qui est incompréhensible. Et je voudrais, moi, là, dans cette remarque introductive, première prise de parole, faire juste deux petits développements. Le premier, c'est repartir des fondamentaux, parce que, j'entends Jean-Pierre, mais rappeler que pour une partie de la théorie économique, et en particulier pour le cœur de la théorie libérale, Marshall, l'entreprise n'est pas faite pour durer. Voilà, l'entreprise n'est pas faite pour durer pour ce qu'on appelle une bonne part de l'école classique. Alors, je ne veux pas dire que les entreprises qui durent ne sont pas des entreprises libérales ou classiques. Mais je voulais rappeler cette évidence. Et puis, on vient de citer Fernand Braudel. Jean-Pierre vient de citer Fernand Braudel. Mais je suis désolé, j'ai relu comme lui Braudel avec son
son nationalisme libéral, celui de Braudel, hein, il insiste lourdement dans plusieurs de ses ouvrages fondamentaux, hein, là j'ai noté, dans l'identité de la France par exemple, sur le fait que les entreprises, elles doivent mourir. Hein, et il se réfère à un obscur, j'étais vérifié, économiste qui s'appelait Hoffman, pour faire une loi sur la nécessaire brièveté. Bon, alors, ça c'était pour mettre le doute intellectuel, on est là pour ça, dans une table ronde, hein, faire ce rappel. Maintenant, évidemment, comme historien, j'aime les entreprises qui durent. Pas seulement parce que c'est notre fonds de commerce, hein, pour des raisons que je développerai dans une autre réponse. Et je voudrais maintenant, de façon un peu volontairement didactique, un peu lourde, réagir en répondant, mais qu'est-ce qui fait la pérennité ? Quels sont les ressorts de la pérennité ? Parce que je vous ai écouté tous les deux, mes chers et vieux amis, mes inestimables collègues, mais on n'en parlait que de manager. Hein ? Vous ne parlez que de manager. Non, moi je regrette. Qu'est-ce qui fonde la pérennité d'une entreprise ? C'est des bons managers, mais des bons produits, des bons salariés, et puis, au risque de hérisser certains, de bonnes politiques économiques. Pour un moment de nationalisation, ça fait du bien à la pérennité de certaines entreprises. Alors, à l'intérieur de ça, il y a des choses, on peut aller un peu plus loin, hein, je ne vais pas développer, il y a des repères, qu'est-ce qui assure la pérennité. Il y a une certaine continuité dans les métiers. Alors là, c'est subtil, et d'ailleurs le président BFA a montré comment il se continuait tout en changeant en permanence. Donc moi, je vois dans ces ressorts de la pérennité une certaine continuité dans les métiers, une certaine continuité dans les rapports au territoire. Et là, là aussi, le président BFA a dit des choses tout à fait intéressantes ce matin. Et puis, bien sûr, la culture d'entreprise. Alors à ce stade de ma première réponse, je vais finir là-dessus pour vous faire un petit développement très bref. À propos des cultures d'entreprise. D'abord, je pense qu'il faut traiter au cas par cas, parce qu'il y a des discours sur la culture d'entreprise qui font un peu, vous savez, comme à la fin d'une belle intervention, il a bien parlé, mais qu'est-ce qu'il a dit ? Il faut traiter au cas par cas et ne pas conclure nécessairement. Il est évident qu'une forte culture d'entreprise, les valeurs partagées, référons-nous à Éric Godelier ce matin, les objectifs partagés, il est évident que c'est une condition de la pérennité, c'est une condition nécessaire, mais sans doute pas suffisante. C'est ainsi que, dans les recherches que j'ai pu mener, j'étais très frappé de la force de la culture d'entreprise au sens de outils de pérennité dans des groupes comme Pechiney, ou dans des groupes comme Solvay, j'aurais le chimiste belge, j'y reviendrai. Et à l'inverse, j'ai été frappé de la faiblesse de cette culture d'entreprise dans des groupes comme Usinor, ou, et a fortiori, comme le trop bref Arcelor. Alors, que je vous disais, c'est une introduction, une mise en bouche, je ne conclus pas, parce que Pechiney, je vous ai dit qu'il y avait une très forte culture d'entreprise, et je peux vraiment développer longtemps. Je vous ai dit, Arcelor, il n'y avait pas de culture d'entreprise, mais pour l'instant, retenons que toutes deux ont disparu. Philippe Dornanou, la transition et une première synthèse vous revient. Petite remarque, j'ai eu le privilège de vous connaître et de connaître vos parents, Hubert et Isabelle Dornanou, qui ont créé Sisley. Et ce qu'il faut savoir, comme l'a évoqué Hubert Bonin, c'est que Sisley est la troisième génération, on veut dire, d'une histoire d'entreprise dans les cosmétiques qui commence dans l'entre-deux-guerres avec Lancôme, puisque votre grand-père Guillaume Dornanou avait créé Lancôme avec Armand Petitjean. Après Lancôme, il y a eu Orlan, et après il y a eu l'aventure Sisley qui dure toujours, qui est née dans les années 70. Donc est-ce qu'il n'y a pas dans votre famille, à côté de l'esprit d'entreprise, très fort, puisque vous avez recréé, votre famille a recréé trois fois une entreprise, aussi, je dirais, un conseil que je voulais introduire dans le débat, qui est ce qu'on appelle les apprentissages, excusez-moi du terme, les apprentissages organisationnels. C'est-à-dire que l'une des forces des entreprises qui durent
Et parce qu'elles durent, c'est qu'elles ont des savoir-faire, des learning practices en anglais, c'est-à-dire des choses qui font que ils sont, ce que vous disiez, Philippe, tout à l'heure sur le métier. Hein. Quelque part, il y a un savoir-faire qui s'accumule, qui fait qu'on est bon dans le verre, dans la chimie, dans les cosmétiques, dans ce qu'on veut. On est plus bon que quelqu'un qui rentre dans le secteur. Donc, et l'entreprise, en termes de force collective, entretient et développe ça. Donc je dirais, chez Sisley, il y aurait à la fois l'esprit d'entreprise et aussi l'apprentissage dans la durée. Si vous me permettez, je vais peut-être d'abord répondre à la question sur la pérennité et peut-être aussi donner une expérience pratique, puisque je suis le seul chef d'entreprise à la table, et peut-être aussi une réaction et une synthèse sur ce que j'ai entendu. On a tous envie d'être pérenne et on a tous conscience, être humain ou entreprise, qu'on ne l'est pas. On sait tous qu'on va disparaître et on a tous envie de durer le plus longtemps possible. À deux niveaux, je pense que le problème se pose déjà au niveau personnel d'entreprise et puis au niveau de la France. Au niveau personnel, je vais vous donner un exemple. Bien sûr, vous voulez construire votre entreprise. Bien sûr, vous savez que pour la construire, il faut qu'elle dure un certain temps. Moi, je suis dans les cosmétiques. Un de mes principaux concurrents est américain. Il s'appelle Estée Lauder. Au bout de 40 ans, qui est la durée de vie de mon entreprise, qui, comme M. Torreste disait, a été fondée par mon père, nous faisons beaucoup plus de chiffres qu'ils n'en faisaient au bout de 40 ans. Alors, les marchés sont beaucoup plus ouverts, c'est peut-être plus facile aussi de se développer, mais en tout cas, c'est un fait. Au bout de 70 ans, nous, on fait à peu près 650 millions d'euros de chiffre d'affaires. Au bout de 70 ans, qui est leur durée de vie, ils en font 10 milliards. Déjà, pour un pays ou pour une entreprise, vous imaginez bien que quand vous atteignez cette taille, vous avez une puissance qui est... Vous avez développé une aventure qui est importante et intéressante à la fois pour l'entreprise, pour ses salariés, et puis aussi pour le pays dans lequel vous opérez. Donc, bien sûr, nous, notre ambition, enfin, c'est de nous... entreprise familiale, en tout cas, c'est de nous développer. Au niveau du pays, c'est aussi un sujet. Parce que, au niveau du pays, vous savez qu'en France, on a à peu près autant de TPE que les autres pays européens, on a autant de PME... On a autant de grandes entreprises, même un petit peu plus, un petit peu moins grosses que les Allemandes, mais dans les 500 premières mondiales, il y a 40 françaises et 39 allemandes. Par contre, ce qu'on n'arrive pas à faire, c'est à développer nos PME à des tailles qui sont les tailles ETI, c'est-à-dire, vous savez, ETI, c'est 50 millions à 1,5 milliard d'euros de chiffre d'affaires. C'est-à-dire que cette pérennité, on n'arrive pas à la tenir, on n'a pas ces développements, et il y a 12 500 ETI en Allemagne, il y a 4 500 ETI en France, il y a 10 500 ETI en Angleterre, il y a 8 000 ETI en Italie. Donc je pense que cette question de la pérennité, c'est un vrai sujet. Sujet peu abordé jusqu'à présent dans le débat économique, qui commence à l'être, et on s'en félicite. Nous l'avons porté, par ailleurs, je m'occupe du Métis, c'est justement le mouvement des entreprises de taille intermédiaire. Nous l'avons porté parce que nous pensons que c'est vraiment un problème. Ces entreprises sont des entreprises très implantées dans les territoires, très utiles. Bon, il se trouve que nous, on est les locaux de l'État, parce que notre usine est à Blois. Mais effectivement, il y a ces entreprises un peu partout. La deuxième chose que j'ai entendue, c'est la pérennité est-elle acquise ou pas? Bien évidemment, elle ne l'est pas. On le sait tous, votre entreprise, elle peut être mise en cause. Vous, ce que vous voulez, c'est qu'elle le soit. La première chose qu'il vous faut, c'est que vos actionnaires soient unis. Alors, vous m'avez fait la remarque, effectivement, qu'on a vendu. Oui, pour une raison très simple. C'est que, d'abord, mon grand-père a vendu Lancôme quand c'était tout petit, parce que lui voulait recréer une affaire avec ses deux fils. Enfin, mon père et mon oncle avaient monté une affaire de parfum. Ils avaient 19 et 20 ans. C'était la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Et quand mon grand-père et ma grand-mère ont vu que ça marchait, ils leur ont dit, écoutez, on va faire une entreprise ensemble. Nous, on est associés minoritaires chez Lancôme. Montons notre affaire ensemble. Ils ont développé Orlan. Et en fait, pourquoi Orlan s'est vendu? Pour une raison très simple, et d'où l'importance de garder des unités d'actionnaires, c'est que mon oncle a commencé une carrière politique et qu'il a dit, si je fais de la politique, je ne peux pas être en même temps dans l'entreprise, donc je démissionne. Et que mon grand-père, c'était l'âge de sa retraite, ma grand-mère était décédée, c'était l'âge de sa retraite, donc deux des trois partaient, et donc ils ont préféré vendre. Mon père l'a dirigé pendant 6 ans, mais lui, dès qu'il a pu, et dès qu'il en a eu la possibilité, et avec tout l'argent qu'il avait gagné de sa vente d'Orlan, et ça aussi c'est intéressant, il a tout remis en jeu et remonté dans deux pièces aux Champs-Élysées pour pouvoir mettre Champs-Élysées Paris sur les produits, parce qu'on est dans le cosmétique, la France est représentative j'allais vous dire que c'est comme l'Allemagne pour les voitures, mais je suis un peu plus prudent maintenant. Et donc il a tout de suite relancé, il aurait pu tout perdre, il a relancé pour créer effectivement avec sa femme Sisley. Moi je les ai rejoints 10 ans après. Alors première chose, c'est vraiment l'unité d'actionnaire. La deuxième chose, c'est la volonté de construire. Vous avez des gens qui aiment monter des projets. En France, on adore les start-up, et on a raison, parce que c'est génial les start-up. Mais la start-up, c'est une chose. Vouloir construire une entreprise dans le temps, c'en est une autre. Et c'est grâce à cette construction qu'on arrive à avoir des entreprises de taille mondiale, capables de résister sur des marchés ouverts.
Et c'est une vraie question qui se pose aujourd'hui en France et est vraiment important. Vous pouvez, très légitimement d'ailleurs, être quelqu'un de projet, d'idées, mais pas quelqu'un de construction. Ce n'est pas forcément toujours les mêmes qualités. Donc on a besoin des projets, on a aussi besoin du sens de la construction et du sens de long terme. Et du coup, voilà, cette idée de pérennité dont on parle, elle est à mon sens super importante. La troisième chose, c'est qu'il y a un risque qui est réel quand on se développe. Ce risque, il peut être lié, j'ai entendu, à l'environnement dans lequel vous évoluez. L'environnement peut être défavorable. Et c'est une vraie question qu'on doit se poser, nous, Français. Est-ce que l'environnement qu'on crée pour nos entreprises, il est raisonnablement favorable par rapport à ce qui se fait en Europe? Je vous parle de l'Europe parce que l'Europe, c'est 60% de nos échanges. Ça, c'est la première question. Et puis la deuxième question, c'est que vous pouvez aussi être... Vous avez parlé des produits à juste raison. Vous pouvez aussi vous retrouver, tout le monde en a conscience, obsolète. Vous pouvez vous retrouver avec des ruptures technologiques et effectivement, il n'y a aucune logique à ce que l'entreprise réussisse pour toujours. Elle est, c'est la beauté de l'exercice aussi, elle est constamment remis en question et elle est toujours en danger. Donc ça, c'est un point que nous, chefs d'entreprise, on doit intégrer. Et puis je terminerai par deux réactions. La première, c'est... Moi, je ne trouve pas que l'entreprise soit un agrégat d'actifs. En tout cas, je ne le vis pas comme ça. Et je pense que vous raisonnez beaucoup en termes de grandes entreprises et de capitalisme financier. On le fait trop. En France, on pense beaucoup grosses entreprises. Tous les noms que vous avez cités sont des noms de grosses entreprises. Moi, pour moi et pour mes équipes, l'entreprise, on la vit. On la vit. Et plus vous descendez de taille, d'ailleurs, plus vous la vivez. Et quand même, les plus grands nombres d'entreprises, c'est les TPE, les PME et les ETI. Et c'est une aventure humaine qui ne veut pas dire que vous n'êtes pas obligé de faire des choix, mais c'est une aventure humaine. Par contre, moi, je suis tout à fait d'accord sur l'idée que l'entreprise, elle est faite pour gagner de l'argent. On veut gagner de l'argent, ça, on le dit très clairement. La vraie question que vous devez vous poser, c'est à quel terme? Est-ce que vous voulez gagner de l'argent à court terme ou est-ce que vous voulez gagner de l'argent à long terme? Et ça, c'est la vraie question. Parce que selon le terme qu'on fixe, et je pense que ce sera peut-être la suite du débat, selon le terme qu'on me fixe, moi, en tant que manager et non plus actionnaire, je ne dirige pas l'entreprise de la même manière. Et donc la question, c'est oui, on veut gagner de l'argent, mais est-ce qu'il ne faut pas parfois investir, dépenser? Et je vous terminerai par un mot. Mon père, pour lancer Sisley et garder cette idée de construction de marque à l'entreprise et garder son indépendance, n'a pas distribué de dividendes pendant les 20 premières années de l'entreprise. Pourquoi? Pas parce qu'il est un mécène, mais simplement parce qu'il voulait garder cette capacité à développer son entreprise. Et donc la question vraiment qui se pose, c'est à quel terme veut-on gagner de l'argent? Voilà, super débat. J'ai envie de dire, est-ce qu'il y a Alain, Jean-Pierre, Philippe, Hubert, sur les interventions déjà... Vous voulez pas rebondir, Alain, sur... Oui, avec plaisir. Avec plaisir, et je vais taquiner mon éminent collègue Hubert Bonin, qui est un historien éminent. Moi, je ne suis pas un historien. Je vais lui dire gentiment qu'il a économiquement raison, mais qu'il a, je pense, historiquement tort. Il a économiquement raison parce qu'il a eu tout à fait raison de poser le débat tel qu'il l'a posé. Ce débat traverse le capitalisme aujourd'hui. Est-ce que l'entreprise est un agrégat d'actifs? Bien sûr, pour certains actionnaires, les fonds d'investissement, les fonds, différents fonds. Est-ce que c'est un projet? Voilà. Est-ce que c'est un agrégat d'actifs? Est-ce que c'est un projet? Et je lui dis qu'il a historiquement tort parce qu'il suffit de relire Balzac. Relisez César Birotteau, relisez La maison d'Hunsingen. L'entrepreneur, celui qui crée l'entreprise César Birotteau, il n'est pas du tout animé par l'envie de gagner de l'argent. Il fonde effectivement un projet. Bien sûr, il va reprendre la parfumerie Ragon, il va faire preuve de plein d'innovations. Ce récit est d'ailleurs extraordinairement moderne. On y voit tous les ingrédients de l'entreprise capitaliste moderne. Mais tous les exégèses littéraires opposent ce capitalisme qui est décrit dans César Birotteau à celui de La maison d'Hunsingen, qui est un petit peu moins connu dans l'œuvre de Balzac, qui est ce capitalisme de Rastignac, qui parcourt les faubourgs de Paris pour vendre des actions et des placements aventureux. C'est ce capitalisme qui existe déjà, qui est financier, qui est spéculatif,
Et, c'est l'intérêt de la lecture de Balzac, c'est que dès l'origine du capitalisme, ce débat traverse le capitalisme. Et je crois qu'il n'y a pas à l'opposer, mais il y a deux visions. Et vous avez eu raison de le rappeler. Et j'avais pris d'ailleurs la précaution de dire que je ne prétendais pas exprimer une vérité scientifique, mais plus une opinion. Je crois qu'il y a effectivement deux visions, un capitalisme de projet et un capitalisme de profit. Bien sûr que le profit est absolument nécessaire à l'organisation. Bien sûr que l'entreprise ne peut pas survivre sans faire du profit. Mais c'est une question de hiérarchie des priorités. Certaines organisations mettent le profit effectivement sous la pression de leurs actionnaires en numéro un, et d'autres, notamment les entreprises familiales, préfèrent mettre d'abord le projet, en sachant très bien qu'il n'y a pas de pérennité de projet sans, bien sûr, dégager de profit. Mais une fois de plus, la hiérarchie des priorités est extrêmement importante. Et dans le propos ce matin de M. Beffa, on voyait bien que lui avait clairement comme... Il représentait parfaitement ces entreprises pérennes et centenaires que nous avons regardées. Il avait fait ce choix. Il a fait ce choix. Ça ne l'a pas empêché de vendre des actifs, ça ne l'a pas empêché... Mais il avait fait ce choix en disant « je ne voulais pas céder à la pression des actionnaires financiers et je me suis doté effectivement d'une stratégie qui visait la pérennité du projet à long terme ». Alors, je ne veux pas monopoliser la parole, mais... Je crois que la vraie bonne question derrière tout ça, et qui est très 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 profonde quand on y réfléchit deux secondes, c'est une question qu'on reprend dans notre livre et qui est une question que formule Hervé Dumèze, qui est un professeur de gestion qui dirige aujourd'hui le centre de recherche en gestion de l'École Polytechnique. Hervé Dumèze, dans un colloque justement sur la pérennité des organisations, posait cette question extrêmement profonde qui consistait à dire « mais quand on dit qu'une organisation dure, de quoi parle-t-on ? Qu'est-ce qui dure ? Et c'est une question extrêmement pertinente. Parce qu'elle elle pourrait vous donner raison, dans la mesure où le Saint-Gobain d'aujourd'hui n'a rigoureusement rien à voir avec le Saint-Gobain des origines. Donc pourquoi dit-on que Saint-Gobain dure ? Nous avons tenté avec Isabelle de répondre à cette question, mais je crois que c'est une question extrêmement profonde. Nous pensons que ce qui dure et ce qui existe dans les organisations, c'est une forme de conscience collective. Moi, j'ai été très frappé dans toutes les organisations pérennes que j'ai visitées, vues, auscultées. J'ai été très frappé de voir les collaborateurs dire... alors qu'il ne s'agit pas d'entreprises familiales, puisque l'éternité en héritage ne s'intéresse qu'aux entreprises non familiales, des entreprises centenaires non familiales, il parle de nos prédécesseurs. Donc il se situe bien dans une logique de transmission, d'héritage, c'est pour ça qu'on a appelé ça l'éternité en héritage. Ils se sentent, eux, et c'est un mystère, ils se sentent, eux, les héritiers de gens avec lesquels ils n'ont aucun lien, mais ils se sentent les héritiers de cette conscience collective, je pense. Et c'est pour ça que ça dépasse très largement la question économique. Moi, dans une autre vie, j'ai connu ça dans les organisations militaires. J'ai été officier d'active, fait Saint-Cyr, j'étais officier d'active. Eh bien, dans les organisations militaires, on trouve la même chose. Les soldats disent « nos glorieux aînés ». Ils se sentent les héritiers d'une conscience collective qui est celle de l'organisation. Là, on quitte le champ de l'entreprise, mais on reste dans celui de l'organisation. Et ce phénomène un peu mystérieux, hein, qui est, je pense, vraiment intrinsèque à l'organisation, aux organisations capables de durer, je crois qu'il mérite qu'on y porte sérieusement attention. Et je suis convaincu que la littérature, en tout cas de gestion, n'y a pas porté suffisamment attention depuis très longtemps. Voilà. Donc je voulais juste rebondir là-dessus parce que je pense que le débat est bien posé grâce à Hubert Bonin. Il y a deux visions. Elles ne s'opposent pas forcément puisqu'elles peuvent être à certains moments très même complémentaires, comme l'a rappelé le président Beffa ce matin. Mais je suis persuadé que la logique de projet et la logique de profit doivent être hiérarchisées dans la conduite des organisations. L'une ne peut pas fonctionner sans l'autre, mais la hiérarchie, la,
la priorisation du profit, dont on a fait le paradigme central depuis les années 70, n'a aucune raison d'être considérée comme l'unique paradigme du gouvernement des entreprises. Juste dans ce débat qui est passionnant, et avant que Jean-Pierre, un petit mot, parce que au cœur du sujet, c'est pour que l'entreprise dure. J'ai envie de dire, pour creuser un petit peu ce thème, et j'ajouterai le deuxième volet, pourquoi elle meurt. J'aimerais citer un exemple. J'ai eu l'occasion de travailler pour un ancien gérant du groupe Worms, qui était un groupe qui avait été créé avec la Révolution industrielle dans les années 1848. Et lui m'avait dit, nous avons traversé toutes les guerres mondiales, nous avons traversé toutes les crises. Et c'était un des plus grands groupes de la place financière française dans les années 80-90 du XXe siècle. Et puis au tournant du XXe siècle, 21e, Worms éclate, si vous voulez on pourrait y revenir, et l'affectio societatis, c'est-à-dire ce fameux lien qui unit les actionnaires ou qui fait le projet collectif d'une entreprise, parce que l'entreprise c'est quand même au départ quand même des actionnaires, un groupe d'actionnaires qui décide de rester ensemble, ça se défait. Donc qu'est-ce qui dure ? D'abord, c'est ce qui dure d'année en année, parce que quand tu diriges une entreprise, et Philippe Dornel le sait bien, mais c'est aussi mon cas, c'est l'exercice annuel. Il faut réussir l'exercice annuel, et ainsi de suite. C'est-à-dire que quelque part, c'est duré dans la continuité, mais une continuité, on va dire, court-moyen terme. Ce qui n'empêche pas, bien sûr, des projets d'investissement. Mais au-delà, le point crucial, à mon avis, c'est le changement de génération. Familial, bien sûr. Mais aussi le changement de génération managériale. Qu'est-ce qui se passe quand l'entreprise a 35 ans, 40 ans, 50 ans, qu'elle est familiale ou qu'elle ne l'est plus, et donc qu'elle est dirigée par des gens qui ne sont pas les fondateurs, qui ne sont pas les gens autour du fondateur ou le groupe de fondateurs. Donc là, dans cette question que Alain Bloch soulevait, qui est de dire, c'est vrai qu'elle n'a pas été assez creusée par le management, parce qu'elle est au croisement du management de l'histoire d'entreprise, de l'histoire de l'entreprise et de l'histoire tout court, qu'est-ce qui dure quand il y a des changements de génération? À mon avis, c'est un point capital, parce que chacun sait que des générations, notamment familiales, mais aussi des groupes d'actionnaires, peuvent se déchirer. Jean-Pierre ? Oui, non, je ne veux pas allonger parce que nous avons 5 questions, mais simplement dire qu'en étudiant la psychologie intime, telle qu'on l'a par des lettres, des témoignages de certains entrepreneurs, j'en citerai quelques-uns emblématiques comme Oberkampf, je citerai peut-être Camille Cavalier, qui n'a pas complètement créé, mais qui a formidablement développé son affaire. Je citerai John Rockefeller, du pétrole. Je citerai Ford, Louis Renault. Et on pourrait en citer d'autres, pour raccourcir. Ce sont tous des gens extrêmement passionnés. C'est des gens passionnés, passionnés. Donc, ce n'est pas une pure logique mathématique. Ce sont des gens pris par une passion, mais au sens où un peintre, un écrivain, un artiste peut être passionné. Et là, ça ne se raisonne pas dans la pure logique. C'est simplement une remarque. Philippe, tu voulais... Oui, Félix. On est à la deuxième question ? Non, parce que je peux parler, mais j'ai beaucoup de respect pour la compagnie. Alors, sur la question managériale familiale, je crois que c'était ça l'étape. Alors c'est un lieu commun des historiens d'entreprise, hein, c'est bien identifié. Effectivement, les travaux de Maurice Leville-Boyer ont été essentiels là-dessus. Bon, c'est dans toute la littérature. On peut considérer d'une façon générale que les entreprises qui durent sont plutôt des entreprises familiales. Bon, et que le repère, c'est les fameuses 3 générations, hein, un seuil que franchissent normalement seulement 15% des entreprises familiales. Voilà. Bon, une fois qu'on a dit ça, là j'ai fait du lieu commun, moi j'aimerais apporter des nuances supplémentaires. Bon, d'abord quelque part parce que je suis dans une enceinte Saint-Gobain, et puis alors là, je suis évidemment... je suis évidemment plein de... Question sur l'exception Saint-Gobain. Enfin, moi, j'en suis arrivé à utiliser ce terme, mais on pourra en reparler. Alors, je voudrais... C'est très à la mode chez les historiens d'entreprise, inspiré notamment de ce qu'on a appelé l'apport chandelérien, hein, d'Alfred Chandler, d'opposer le managérial, qui est mieux quand même, qui est plus moderne, au familial, et puis après, inversement, défendre... Bon, moi, j'aimerais éviter la guerre de religion de ce point de vue. Et je me suis livré à un petit travail concret. Alors, rassurez-vous, je ne vais pas faire un exposé. Hein. J'ai pris
les managers, les présidents d'un certain nombre de sociétés, pour comparer notamment entre managérial et familial. Bon, et puis pour ceux qui aiment lire, je vous renvoie tous à la très belle HDR d'Hervé Joly qui est en ligne actuellement. Il y a eu 4 patrons chez Pechiney, de 1855 à 2003. Non, pardon, 14. Alors oui, excusez-moi, je lis trop vite. Il y a eu 14 patrons chez Pechiney entre 1855 et 2003, contre 4 chez Schneider, de 1837 à 1960, 4 chez Wendel de 1809 à 1978. Voilà, bon, donc là je dis une grosse évidence, il y a un turnover bien plus important dans les entreprises managériales que dans les entreprises familiales. Bon, en corollaire, la durée moyenne de pratique professionnelle d'un président s'établit à 11 ans chez Pechiney, 18 ans chez Marine Creuse-Loire, 31 ans chez Schneider, 35 ans chez Wendel. Voilà, mais ça, on le savait. Je me suis intéressé, et c'est un peu le sens de ma démonstration, à ce que j'ai appelé l'intervalle intergénésique, c'est-à-dire quelle est la différence d'âge entre un patron et son successeur, en reprenant mon même échantillon. Alors évidemment, ça ressort clairement. Grosso modo, 18 ans chez Marine Creuse-Loire, plus de 30 ans chez Wendel ou chez Schneider, entre deux présidents successifs. Bon, tout ça est évident. Mais quand on rentre dans le détail des modalités de succession, et quelqu'un a parlé du moment nodal que représente la succession du manager, quand on rentre dans les détails, eh bien, par exemple, chez Marine Wendel, chez Marine, avant qu'il ne soit Wendel. La règle était, on recrute, c'était des ingénieurs du corps des mines, et donc on recrute un ingénieur du corps des mines de 20 ans son cadet. Et ça a bien marché pendant 4 générations. Bien, dans les entreprises, les grandes entreprises familiales que j'ai citées, on prenait le fils aîné, quand tout se passait bien. Bon. Mais entreprendre un fils génétique et un fils spirituel formé dans la même école que soi-même, la différence n'est pas si énorme que ça. Et je plaide donc pour une approche moins conflictuelle entre les histoires d'entreprise managériale et les histoires d'entreprise familiale. J'essaye de jouer le jeu des réponses brèves. Sur cette question de la succession, à mon avis, elle est capitale. Mais est-ce qu'on ne peut pas la sophistiquer ou la raffiner un petit peu en disant que s'il y a une très forte, entre guillemets, culture entreprise, je dirais un très fort savoir-faire, un très fort cœur de métier, notion qui est récente d'ailleurs, est-ce que justement ça ne modèle pas, par définition, le destin? Alors, il y a une école historique, l'école d'histoire économique qu'il faudrait citer ici, c'est la théorie évolutionniste des entreprises, qui consiste à dire, grosso modo, pour aller très très vite, c'est une école américaine dans les années 80, notamment représentée par Winter, qui dit grosso modo, on a un peu trop tendance à exagérer la rupture dans l'histoire ou dans le devenir des entreprises. En fait, il y a beaucoup d'évolution. C'est-à-dire que les entreprises, d'abord, elles changent de temps en temps de métier, mais en général, elles restent dans des métiers bien donnés, et elles les enrichissent, elles les développent, elles se diversifient. Il leur arrive de changer de métier, mais il est clair que, fatalement, le fait d'avoir un métier, d'avoir une tradition, d'avoir un savoir-faire, d'avoir une j'ai entendu le mot conscience collective, tout à fait, c'est très important. Moi, travaillant avec des entreprises, j'ai toujours été frappé quand je rencontrais des dirigeants, et souvent des entreprises non familiales. Ils me parlaient de choix stratégiques. Ils avaient l'histoire de l'entreprise dans la tête, une histoire managériale, bien sûr. Mais ils racontaient des choses, ils avaient pensé le devenir de l'entreprise avant eux sur 5, 50, 60, même au-delà. Ils avaient la mémoire dirigeante. Et je dirais, ça c'est capital. Et il est clair que quand, pour des raisons données, un problème de succession, une OPA ou une rupture technologique majeure qu'on ne voit pas, messieurs, il y a des exemples. J'aimerais en citer 2 très rapidement d'ailleurs qui tiennent pratiquement au même secteur d'activité, les télécoms et le matériel électrique. Bon, j'ai fait l'histoire du groupe Schneider. Comme tu l'as dit, il y avait 4 hommes de la dynastie Schneider, puis en 1960, le dernier, Charles, tombe. C'est le même dessin que Lagardère, Jean-Luc Lagardère, il glisse sur son bateau à Saint-Tropez, il se blesse, une septicémie, on n'ose pas, c'est Charles Schneider, on n'ose pas faire le nécessaire, il meurt. Et là, après, c'est une bataille entre deux... Oui, je ne rentre pas dans les détails, c'est 2 branches de la famille qui n'avaient pas les mêmes cursus, il y avait une duchesse
Il y avait monsieur et madame le duc de Brissac, et puis il y avait une descendante de Marcel Cachin, leader communiste. Donc ce n'était pas les mêmes valeurs. Donc la famille se déchire, et finalement, Schneider tombe dans le giron du groupe belge Empain, avec qui il avait déjà des accords. Et puis, bon, le groupe Empain-Schneider ne fait aucun choix stratégique pour aller très vite. Et au début des années 80, il est au bord de la faillite. Arrive un monsieur qui s'appelle Didier Pinet-Valenciennes, que j'ai très bien connu, que je connais très bien, et qui dit il faut recommencer à partir de zéro. Ça donne notamment un bras de fer terrible avec l'État, avec le dépôt de bilan de Creuse-Loire, dont certains se rappellent peut-être en 1984. Et puis, à partir de... On a perdu, on est mort sur ce qu'on savait faire, qui était l'industrie lourde, la métallurgie, les chantiers navals. On reconstruit quelque chose qui est complètement neuf, qui n'est pas notre métier d'origine, qui est la distribution électrique. Aujourd'hui, ça s'appelle Schneider Electric, c'est un groupe mondial, c'est un leader mondial, il fait 22 à 24 milliards d'euros de chiffre d'affaires. Il est partout dans le monde, il est dominant en Chine. Donc, il a fallu, je dirais, c'est un paradoxe, il a fallu mourir pour renaître. Deuxième exemple, dans le même secteur, on avait un très grand groupe d'industrie électromécanique qui s'appelait la Compagnie Générale d'Électricité, Alcatel-Alstom, qui était leader mondial, parmi les leaders mondiaux en télécom et en matériel roulant, énergie avec Alstom et avec Alcatel. Alors, c'est très dur dans l'histoire, parce qu'au fond, parlons d'histoire avec un grand H. Que se serait-il passé si Charles Schneider n'était pas mort? Que se serait-il passé si, par exemple, Pierre Suard, qui était le PDG X-Mine de Alcatel-Alstom en 1995, il y a une affaire judiciaire, il doit quitter son poste, arrive un autre PDG, qui n'a pas la culture du secteur, et qui arrive alors que la planète télécom change, c'est ce que Phil Dornano appelle les ruptures. Chez L'Oréal, autre entreprise que je connais bien, ils appellent ça les fractures. À un moment donné, la planète télécom arrive, Internet arrive, les start-up arrivent, la bulle Internet arrive, tout ça. C'est-à-dire le marché très stable. C'est la question 3 que j'avais posée, qui était de dire, y a-t-il des secteurs plus pérennes que d'autres? Il y avait un secteur très pérenne, relativement pérenne, les télécoms, il s'agissait d'équiper les réseaux des pays à partir de commandes d'État. Une fois que vous aviez équipé la France, ça prenait 20-30 ans, vous étiez un peu tranquille avec des commandes d'État. Et puis à un moment donné, le monde change, et à ce moment-là, le capital a changé. Et donc, le déclin d'Alcatel-Alstom, vous le connaissez aussi bien que moi, Alcatel vient d'être acheté par Nokia. Quant à Alstom, je ne sais pas ce qu'il reste d'Alstom. Donc, c'est un peu le paradoxe que je voudrais, pour relancer la dernière partie de ce débat, est-ce qu'il ne faut pas mourir pour renaître ou durer à tout prix? Au fond, les entreprises sont toujours... Il y a une très belle phrase de Eugène Schneider qui disait, qui rebondit à ce que vous disiez, Philippe Dornano, c'est « l'entreprise est toujours aux confins du péril ». Il faut toujours avoir l'esprit du risque parce que la sécurité n'est jamais assurée. Quand on est dans une entreprise, et c'est un petit peu là, je voulais un petit peu contredire Alain Bloch, l'entreprise, ce n'est pas une organisation au sens, ce n'est pas l'État, ce n'est pas l'Église, ce n'est pas la sécurité sociale, ce n'est pas le ministère du Travail, bref, des organisations... Qui a une logique ou même une armée. L'entreprise, elle est sur du sable. Elle a ses brevets, elle a ses actifs. Mais il faut que chaque année, ses résultats soient au rendez-vous. Alors on peut passer quelques années sans résultats, mais après ça devient difficile. Philippe, peut-être. Oui. Moi, je voudrais revenir un petit peu sur... Sur l'entreprise familiale et le sujet de l'entreprise familiale. Parce qu'en fait, le fond du problème, ce n'est pas forcément familial ou pas familial. J'aimerais revenir sur l'idée, sur deux idées. La première, c'est, je pense qu'il faut distinguer l'actionnaire et le management. Pour une entreprise familiale qui grandit à une certaine taille, vous ne trouvez pas toujours dans une famille des managers qui ont la qualification pour diriger l'entreprise. Et vous, quand vous atteignez une certaine taille, vous avez intérêt, c'est un patrimoine important, à avoir des bons managers. Donc l'idée de la succession automatique, de l'aîné, etc., c'était peut-être quelque chose dans les années 20 ou dans les années 30. Ça l'est peut-être aujourd'hui quand il y a des familiaux compétents, mais ça ne l'est pas toujours. Et on a des exemples aussi de managers, et en tout cas ça ne devrait pas l'être. Par contre, ce qui est très important, c'est d'avoir un actionnariat soudé. Et ça, au fond, que l'entreprise soit familiale ou qu'elle ne le soit pas. Parce que l'actionnariat soudé, moi, en tant que manager, c'est ce qui me permet de faire des projets de long terme. C'est ce qui me permet de passer à une recherche de profit, comme on l'a dit tout à l'heure, mais une recherche de profit par des projets et dans le long terme. Alors peut-être qu'il faut donner quelque chose de vivant pour expliquer ça. Je vais vous donner deux exemples.
quand on lance une entreprise comme Sisley, qui dépend de son développement international, 87% de notre chiffre est fait hors de France, il y a deux façons de vendre nos produits. Le premier, c'est à travers des distributeurs, c'est des agents qui vendent vos produits. Le problème, c'est qu'ils ont des contrats courts et qu'ils n'ont pas tellement... Il faut qu'ils aient des rapides retours sur investissement. Donc, ils ont tendance à pas trop investir, à pas trop s'occuper de votre image, à ouvrir les magasins qu'ils peuvent ouvrir pour vendre le plus possible, le plus vite possible. Puis la deuxième façon, c'est par des filiales. Quand vous créez une filiale, c'est votre argent. C'est vous qui investissez, c'est vous qui trouvez les managers dans des pays que vous ne connaissez pas forcément au départ, et c'est vous qui structurez ça. Qu'est-ce que vous allez faire ? Est-ce que vous allez prendre le distributeur qui vous donne un profit rapide, un retour rapide sur investissement ? Ou est-ce que vous allez prendre le manager ? Vous voyez la question qui peut se poser dans le développement d'une entreprise. C'est quel est votre... C'est pas une question de profit, c'est une question de quand vous voulez ce profit. Est-ce que vous êtes là pour construire et avec l'ambition de faire une grande marque et en espérant que cette grande marque va bien sûr être rentable et va rapporter? Ou est-ce que vous voulez travailler sur le court terme? Le deuxième point sur l'entreprise familiale et sur le long terme, ou en tout cas sur l'entreprise de long terme, élargissons un peu la notion, c'est elle est extrêmement utile à un pays parce qu'elle ne surréagit pas aux crises. De nouveau, je vais prendre un exemple qui est vécu. On est en 2007. On a donc un centre à Blois et on a un centre logistique et recherche. Nos laboratoires de recherche sont à Gennevilliers, à côté de Paris. L'endroit est beaucoup trop petit et on a besoin de se développer. On lance donc un projet pour construire un nouveau centre industriel, 4 fois plus grand, pas trop loin du premier pour garder nos équipes. Et puis, quand ça démarre, c'est 2009, c'est mars 2009. Bon, vous vous rappelez de mars 2009, tout le monde sert... tout le monde fait attention, tout le monde bloque les recrutements, tout le monde, etc. Nous, on est une entreprise de long terme, une entreprise avec une perspective de long terme. Est-ce qu'on va arrêter notre projet parce qu'on est en mars 2009 ? Si vous êtes coté en bourse et si vous devez rendre des comptes à un mois et si votre capital est dispersé, c'est plus difficile. Ça peut se faire, hein, mais c'est plus difficile. Si vous appartenez à une entreprise, si votre entreprise appartient à un fonds d'investissement qui, lui, veut sortir dans un horizon de 5 ans ou de 6 ans ou de 7 ans, vous avez un peu plus de temps, mais c'est quand même, vous avez une contrainte. C'est que dans 5 ans, il faut que l'entreprise soit toilettée pour qu'elle puisse être vendue. Si vous travaillez dans le temps parce que vous voulez construire une marque mondiale, parce que vous avez l'ambition, peut-être, on n'en sait rien, peut-être que ce ne sera pas possible, mais de passer une génération de plus et puis de rajouter encore du temps pour construire votre marque. C'est sûr que vous ne raisonnez pas de la même manière. C'est ça ce qu'il faut comprendre et c'est ça ce qui est important. Ce type d'entreprise, hein, les ETI dont je parlais tout à l'heure, c'est 70% sont personnels ou familiales. C'est un peu l'airbag de l'économie et d'une manière plus générale, les entreprises qui raisonnent dans le long terme sont des entreprises qui ne prennent pas tout à fait les mêmes décisions. Donc deux idées vraiment que moi je voudrais porter. La première, c'est que la bonne gestion, en tout cas, c'est de distinguer l'actionnariat. J'ai besoin d'avoir des actionnaires qui me soutiennent, il faut qu'ils soient unis. S'ils me lâchent, je ne pourrais plus mener mon projet. Et puis la deuxième chose, c'est les managers. Nous, on est 4500 maintenant, on a 100 nationalités. Moi, si on n'a pas des managers qui sont compétents, l'entreprise, elle va se casser la figure et puis on va tous perdre notre patrimoine. Donc, et puis, c'est une responsabilité vis-à-vis de nos équipes, vis-à-vis de nos salariés dans le monde entier. Donc, vous voyez qu'il y a un enjeu. Et puis, la deuxième idée, donc, c'est votre terme. De nouveau, revenons à cette idée-là, le terme pour lequel vous travaillez. Est-ce que c'est un mois ? Est-ce que c'est 5 ans ? Est-ce que c'est longtemps ? Merci Philippe. Je vais être obligé de terminer le tour de table par Hubert, mais parce qu'il faut que la salle intervienne, donc on pourra continuer les débats avec vous jusqu'à la fin de l'horaire. Hubert, très rapidement. Je suis toujours amusé de voir un gestionnaire nous parler de Balzac, ce qu'on pourrait aussi parler du maître de forge, de Druon et surtout des Rougon-Macquart que j'aime bien. Mais en fait, la vraie référence, ce sont les analyses mensuelles du Boston Consulting Group, du BCG. There's no such thing as corporate DNA. What you have to be prepared to change everything to endure. Or, why do some companies endure and others do not? Donc, tout ce que nous disons là a déjà été étudié par le BCG, par le Boston Consulting Group, et qui est intervenu d'ailleurs, ça a été étudié par beaucoup d'entreprises françaises dans les années 70, notamment Rhône-Poulenc, ça n'a pas laissé grande trace, pour essayer de comprendre ce qui se passait. Or, il y a quelque chose, un mot, j'ai utilisé le mot darwiniste tout à l'heure, et il y a un mot que je vais oser introduire, quitte à faire fissurer le château de Blois, c'est le mot concurrence.
Donc il faut nous en parler, de ce mot concurrence. Cette concurrence, elle est celle de nouvelles technologies et elle est celle de compétiteurs. Or, ne l'oublions pas, lorsque les banques étudient Saint-Gobain dans les années 60, juste avant l'OPA ou après Saint-Gobain, je suis en train de faire une grosse étude sur les rapports entre Saint-Gobain et ses banquiers. Les banquiers sont complètement affolés dans les années 60. Ils font faire des études, genre BCG, qui n'existait pas, sur Saint-Gobain. Saint-Gobain va-t-elle mourir? Comment Saint-Gobain peut-elle faire face à son surendettement? Comment Saint-Gobain peut-elle faire face, à l'époque c'était des centaines de millions et quelques milliards ensuite, d'emprunts? Est-ce que Saint-Gobain ne va pas crouler sous sa dette? Et donc, par rapport à cela, on étudie la concurrence et on a parlé du vilain canard qui a surgi en lançant son OPE sur Saint-Gobain à Noël 1968. Or, tous les groupes européens ont été soumis à une telle concurrence technologique et à telle concurrence intergroupe. Rappelons, puisqu'ici on a des électrotechniciens, que si Siemens s'est complètement révolutionné, AEG s'est écroulé, a déposé son bilan. Rappelons que ce fameux Deutsches Ort, si posé en exergue, notamment par un ancien commissaire au plan, eh bien, ce Deutsches Ort lui-même a souffert et nombre d'entreprises allemandes ont dû se réinventer et certaines n'ont pas tenu le coup. Et par conséquent, la durée s'explique par la capacité de résistance. Certes, tout n'est pas dans l'argent, dans le profit, mais tout est aussi néanmoins dans la préservation de la capacité d'autofinancement. Le profit, c'est de la capacité d'autofinancement. D'abord, ce n'est pas seulement les actionnaires, mais la capacité d'autofinancement, elle est essentielle. Or, Saint-Gobain a réussi de façon miraculeuse, un miracle qui s'explique, bien entendu, les historiens sont là pour ça, les communicants, les gestionnaires. Elle a résisté à une révolution de ses paradigmes stratégiques pour faire pédant. Elle a révolutionné sa chaîne de valeur. Elle a résisté au péril jeune, je dirais, mauvais ensemble, une trilogie un peu racoleuse. Le péril jeune, ce sont les nouvelles technologies, les composites, les matières plastiques nouvelles, les matériaux innovateurs. Elle a résisté au péril jaune, c'est-à-dire la compétition d'Asahi en particulier, des Japonais qui ont racheté des éléments en Europe, qui ne se sont pas privés de venir attaquer Saint-Gobain en Europe, et Saint-Gobain ayant contre-attaqué en ouvrant, je crois, une vingtaine d'usines en Extrême-Orient. Donc le péril jaune, Saint-Gobain l'a subi, mais a contre-attaqué. Par ailleurs, comme l'a expliqué ce matin Beffa, il s'est fait attaquer sur son bastion, il a attaqué le bastion des autres. Et enfin, le péril vert. Le péril vert, c'est-à-dire le péril écologique, le péril des écosystèmes où finalement les immeubles bâtis par Saint-Gobain étaient complètement obsolètes, les immeubles de la Défense qu'on démolit aujourd'hui, mais où Saint-Gobain a réinventé des matériaux permettant d'être éco-conformes, des matériaux isolants, de nouveaux verres, etc. Donc Saint-Gobain a résisté à ce péril vert et s'est réinventé, au contraire, avec des nouveaux matériaux pour le bâtiment. Donc c'est cette révolution de la chaîne de valeur. Ce sont les défis auxquels certaines entreprises ne peuvent pas faire face. Soit parce qu'elles sont surendettées, je relance mon coup de la farge, soit parce qu'elles ont peut-être de mauvais managers, mais là je ne suis pas compétent dans ce domaine, sauf à la banque où on a viré Daniel Bouton à la Société Générale, soit parce que elles sont, enfin c'est l'État qui a imposé ce départ, et soit parce que ces entreprises sont capables, grâce à leur capital hérité, de résister aux coups de vent, aux bourrasques. Alors, quel est ce fameux DNA chez Saint-Gobain? On en a déjà parlé ce matin. Les communicants et Madame de Laubier doivent certainement... On réfléchit là-dessus pendant préparer le 350e anniversaire. Qu'est-ce qui permet à cette entreprise de se réinventer? Alors, est-ce que c'est vraiment le corps des mines? Est-ce que c'est... c'est pas plutôt l'éveil à l'innovation technologique, la capacité d'éveil permanent à l'innovation technologique, au-delà de la capacité d'autofinancement, puisqu'on ne veut pas que je parle argent. Donc, les deux, capacité d'autofinancement et capacité d'auto-réinvention.
C'est les deux notions qui s'équilibrent, bien évidemment, je ne donne pas tout dans l'argent, mais assimiler des nouvelles technologies. Alors je rappelle que Saint-Gobain, et ça c'est Jean-Pierre Davier qui fait le modeste, mais qui a écrit tout de même un bouquin chez Fayard il y a quelques années, nous a montré que Saint-Gobain avait échoué à adopter le flot de glace, s'était lancé dans une autre technologie, Bitonio, qui m'échappe complètement, moi historien bancaire. Mais donc Saint-Gobain n'avait pas réussi à franchir, ce, tu me confirmes Maurice, n'avait pas réussi à franchir ce cap technologique que d'autres, Pilkington, c'est ça, avaient, ou d'autres, je ne sais pas trop, beaucoup plus compliqué, c'est encore beaucoup plus compliqué que ça. Eh bien, Saint-Gobain a réagi parce qu'elle avait tout de même une capacité d'éveil technologique qui lui a permis de se remettre en cause, de remettre en cause sa chaîne de valeur et de devenir un leader et dans ses innovations et d'ensuite de, à nouveau de s'auto-challenger, comme on dirait en gestion, pour remettre en cause son propre système productif grâce aux innovations qu'elle s'est imposées et dont je crois que c'est un symbole de cette fragilité face au darwinisme, face à la concurrence. Mais plus on est fragile, plus on doit être malléable. Il ne faut pas être chêne mais roseau, et par conséquent savoir, car les chênes qu'on abat, dirait Malraux, et donc savoir au contraire être souple, et c'est cette souplesse paradoxale chez un grand groupe qui devrait être reconstituée. Comment se fait-il que pendant les 30 ans BFA, de la souplesse ait été injectée dans un groupe qui pourtant était dirigé à la française avec les grands corps, les ingénieurs, les têtes d'œufs, comme on dit, les technocrates, on disait jadis. Donc comment est-ce possible que dans des entreprises, on ait échoué et que dans d'autres, on ait réussi? C'est passionnant. Je voulais que la salle puisse intervenir et à poser des questions. Ah, vas-y Jean-Pierre. Mais Jean-Pierre, beaucoup moins qu'Hubert. Oui, non, je ne me lance pas dans un débat sur l'histoire de Saint-Gobain. Je dis simplement 3 ou 4 mots sur la famille. Bon, je dirais que la famille, c'est une force et une faiblesse, comme dans toutes nos vies. Une force parce que vous pourrez citer quelques cas, effectivement, de familles qui se sont accrochées à un projet. Exemple, il y a une famille qui fabrique des vitraux pour des églises, des cathédrales à Reims, dirigée actuellement par une femme. Très bien, c'est très bien pour la femme, que la femme ait repris le relais. Elle descend de quelqu'un qui fabriquait déjà des vitraux au XVIIe siècle. Donc la famille, là, est une force et on sent qu'il y a quelque chose qui se perpétue dans l'histoire de la famille. Il y a des exemples. Bon, autre exemple, il y a des fabriques de whisky en Europe, en Écosse. Il y a toujours la même famille depuis le XVIIe siècle. Ça existe. Bon, un exemple qu'on n'a pas encore cité, de Dietrich. Bon, il descend d'un monsieur protégé par Louvois. Alors, il y a des cas de réussite familiale. Alors, chez les deux Dietrich, ils ont eu une idée intelligente, c'est que pour protéger la famille, il ne fallait pas devenir trop gros. Parce que si vous devenez trop gros, vous avez toutes sortes d'actionnaires, il y a des risques de dilution de l'esprit familial. Donc, il y a toujours un de Dietrich actuellement qui descend d'un monsieur protégé de Louvois. Donc, la famille peut être une bonne chose. Bon, mauvaise chose, bah, une famille, ça peut s'éteindre. Nous connaissons cela dans nos vies. Je connais beaucoup de familles qui sont éteintes, y compris dans l'aristocratie française. Il peut se trouver qu'il n'y a pas de gens passionnés par la gestion. Ils vont devenir peintres, sculpteurs, n'importe quoi, mais ils ne sont pas passionnés par la gestion. Ou quand ils deviennent dirigeants, quelquefois, ils ne sont pas bons. Donc, ce n'est pas toujours une bonne chose. Alors, un autre exemple, pour servir de lien avec la grande entreprise, Ford a été génial, mais il s'est accroché à son modèle T. Il ne voulait plus changer, il n'inventait plus de nouvelles voitures. Donc les jeunes ingénieurs avaient d'autres idées. Ils ont un peu flatté le fils Ford pour qu'il prenne la tête d'une sorte de contestation interne. Donc il a accepté de jouer ce rôle, il s'est fait le porte-parole d'ingénieurs. Il a été tellement maltraité par son père qu'il s'est suicidé. Ah, c'est l'exemple des drames de famille. Ça existe partout, des enfants qui se révoltent contre leurs parents, etc. Donc je pense que de la famille, on ne peut tirer aucune conclusion. Il y a tout et son contraire. Merci. Je voulais passer la parole à la salle. Et en nous excusant, parce qu'on avait prévu une demi-heure de débat, 15 minutes.
Et le responsable Hubert Bonin, en particulier, nous quitte. Donc voilà, maintenant on va pouvoir discuter. Y a-t-il des questions ou des remarques ou des approfondissements ou des gens qui ne sont pas d'accord ou des thèmes qu'on n'aurait pas abordés? Madame ? La grande distribution, elle n'a pas un effet négatif sur les petites ETI. Attends, je ne vous ai pas entendu, excusez-moi. La grande distribution n'a-t-elle pas un effet négatif sur les ETI? Et moi, je ne suis pas spécialiste de la distribution. Vous posez la question de la concurrence dans un marché donné. Regardons le cas Walmart, ou éventuellement aux États-Unis, qui en définitive prend de la valeur, en fait, si vous voulez, par des produits qu'il achète en Chine, qu'il fait transformer en Chine, qu'il réimporte après ensuite, comme une majorité du CAC 40 aujourd'hui, si on regarde bien, voilà. Et que pas beaucoup de gens savent, malheureusement, je suppose. Donc on ne peut pas avoir, si vous voulez, une création de valeur dans un pays, éventuellement. Peut-être bien, si éventuellement vous créez de la valeur ailleurs, c'est ce que je veux dire. Donc la grande distribution, je repose la question, est-ce qu'elle a un effet négatif à long terme? À long terme, hein, je n'ai pas dit à court terme, à long terme. Vous ouvrez un autre débat, mais très rapidement, avant que Philippe Douaneau voulait dire un mot. D'abord, il y a un phénomène inéluctable dans l'histoire du capitalisme, c'est la concentration. Alors après, il est clair que elle laisse les gens sur le carreau, les entreprises sur le carreau, et c'est le rôle de l'État, des politiques sociales, des politiques réglementaires, de faire en sorte que, quelque part, le mouvement de concurrence, les lois anti-concurrence, les lois qui réglementent la concurrence, apparaissent aux États-Unis à la fin du 19e siècle pour dire il y avait quelques grands groupes, qu'on appelle les trusts, qui étouffaient tout le monde. Donc il y a des lois antitrust, très connues des historiens, qui démantèlent. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, je dirais, après la question, c'est est-ce qu'on... Vous posez un vrai problème, mais la vraie question, c'est est-ce qu'on fige un secteur d'activité à partir de ces acteurs? Exemple, les ETI, nombre de petits commerces, etc., pour prendre l'exemple de la distribution. On le fige, on dit voilà, aujourd'hui, on va prendre l'exemple très classique, les taxis. Il y a tant de taxis en France, il n'y en aura pas plus. Parce qu'ils ont acheté leur plaque, parce qu'ils votent, parce que dans les villes, c'est important, etc. C'est comme les bars tabac. À partir de là, vous bloquez la concurrence. Et donc... Est-ce que c'est bon, est-ce que c'est moins bon? Moi, je reste quand même quelqu'un qui suis partisan d'un régime de concurrence. Donc, quelque part, il faut que la concurrence s'exerce parce qu'elle se fait toujours au profit du consommateur. Mais quelque part, il est clair que la concurrence, elle est mortifère, elle est cruelle. C'est le fameux mot de on a cité le mot de Schumpeter, on n'a pas cité peut-être son concept, c'est la destruction créatrice. Le capitalisme détruit. Hein, ça avait été dit dans le manifeste du Parti communiste de Karl Marx et d'Engels. D'ailleurs, ça détruit et ça crée en même temps. En France, on est très sensible aux entreprises qui durent, aux secteurs qu'il faudrait garder. C'est un débat qui aura lieu, peut-être, j'espère, dans la table ronde de tout à l'heure sur l'industrie française. Est-ce qu'il ne faut pas aussi se tourner vers les industries qui naissent, qui recommencent? Parce que si on veut toujours garder l'existant, et ça prouve des drames sociaux, c'est clair, on fige une économie et on la condamne au déclin. Philippe, peut-être? Sur les ETI, non? Non, mais... Je voulais saisir l'occasion pour répondre à une de vos questions, Félix, qui était notamment pérennité et secteur. Quels sont les secteurs où on peut identifier plus de pérennité? Et votre question devient pertinente, puisqu'on va fêter les 125 ans de casino cette année. Je répondrai très prudemment que ce sont globalement les secteurs manufacturiers qui produisent des vraies choses plutôt que les services qui durent plus longtemps. Si on prend les listes générales des entreprises plus que centenaires, il y a beaucoup d'entreprises moyennes d'ailleurs dans l'agroalimentaire. Et je voudrais en profiter pour glisser deux remarques, c'est que faut faire attention aux entreprises qui semblent durer, mais qui ne durent pas vraiment. Enfin, ça a été évoqué et c'est pour nous armer intellectuellement. Je vous cite deux exemples. Thyssen. N'a plus beaucoup de rapport, beaucoup plus que Saint-Gobain. Tout à l'heure, vous disiez que Saint-Gobain ne ressemble plus du tout aux origines. C'est, à mon avis, une question en débat. En tout cas, Thyssen ne ressemble plus au Thyssen. Tata, encore moins au Tata d'origine, je veux dire. Wendel est devenu un capitaliste nomade qui n'a aucun rapport avec son cœur de métier. Donc, attention aux apparences de la pérennité. Je voulais en profiter pour glisser ce...
Moi, pour faire une remarque sur la distribution, alors nous on ne travaille pas avec la grande distribution, mais c'est important en économie libre. C'est parce que l'économie est libre qu'il ne faut pas qu'il y ait des régulations. Et on a constaté effectivement dans les 45 dernières années un inversement des rapports de force entre les industriels et les distributeurs. Il y a 40-50 ans, et ce qui est assez intéressant, c'est que les lois sont restées finalement assez protectives des distributeurs, alors que les rapports de force ont augmenté. Vous savez, l'État, c'est un peu comme un grand pétrolier. Entre le moment où le capitaine décide qu'il faut tourner et le moment où il fait demi-tour, où le pétrolier fait demi-tour, il se passe des centaines de kilomètres. Donc on est encore dans un système où, le distributeur est protégé, alors qu'il est devenu très grand et très puissant, face à des industriels. L'industriel, à partir de là, vous posiez la question sur les ETI, il y en a de toutes sortes. Les ETI, c'est une taille, c'est 50 millions, 1 milliard et demi, donc ça dépend de ce que vous faites. Si vous êtes dans des domaines de premier prix et que vous êtes effectivement très vendu dans la distribution, c'est vrai que vous n'avez plus tellement de clients. Vous avez 2-3 clients et c'est, du coup, les rapports de force sont plus difficiles pour les entreprises. Après, il faut être aussi agile, vif. Il y a des entreprises qui créent des points de différence et qui sont attractives. Là, par exemple, la marque joue un rôle important. Si vous avez une marque qui est attractive, c'est quand même embêtant aussi pour le distributeur de s'en priver. On n'a pas du tout développé ça, mais par exemple, pour nous, la marque, le fait de construire une réputation, c'est quelque chose qui est extrêmement important. Et en sens inverse, je le disais en forme de boutade tout à l'heure, quand une marque comme Volkswagen a par exemple un tel coup de canif dans son image, c'est sûr que ça, au-delà même des amendes qu'ils peuvent avoir, ça a un impact énorme. Oui. Pour le dire différemment, c'est vraiment intéressant comme question, j'entendais tous les débats sur la famille. Très très honnêtement, disons d'un point de vue économique, on se fout de la famille. On s'en fout. Il y en a qui marchent, il y en a qui ne marchent pas, il y en a qui se disputent, il y en a qui ne se disputent pas. Ce n'est pas ça le sujet. Le sujet, c'est comment est-ce qu'on peut avoir en France plus d'ETI ? Parce que ces ETI sont vraiment intéressantes. Elles sont 65% en province, implantées dans les territoires. On voit, on en a parlé, qu'elles ont souvent... Pas toujours, parce qu'il n'y a pas de règles, il n'y a pas de monde idéal, mais elles ont souvent des politiques qui peuvent être de plus long terme. C'est aussi souvent des entreprises plus proches de leurs produits, de leurs équipes, donc l'environnement de travail peut y être agréable. Elles sont assez passionnées de leurs produits. Donc comment est-ce qu'on fait pour en avoir plus ? C'est ça la vraie question qui se pose. Qu'est-ce qu'on fait en France pour avoir plus de ces entreprises ? Et puis, en sens inverse, pourquoi on en a trois fois moins que l'Allemagne ? Attendez, on est un grand pays industriel, on a plein de savoir-faire. On est l'un des pays, avec la Chine, l'Angleterre, peut-être l'Allemagne, quelques grands pays européens, et les États-Unis, on est un pays qui a une diversité extraordinaire de savoir-faire. On est loin d'être plus bête que les autres, on a des bonnes infrastructures. Pourquoi on n'a que 4500 ETI ? C'est ça la question qu'on doit se poser tous collectivement. Et quel est l'environnement dans lequel on travaille ? Qu'est-ce qui a bloqué ces ETI ? Moi, mon combat, en dehors de Sisley, ça a été de défendre ces entreprises. Alors, c'est même pas familial. Patrimonial, c'est-à-dire ça peut être des entreprises d'associés, ça peut être des entreprises de première génération, mais des entreprises qui ont en tout cas la vocation à prendre le temps, et on est en plein dans notre débat, pour construire une taille qui sera la taille ETI. Qu'est-ce qu'on fait et qu'est-ce qu'on fait pour les préserver ? Soyons très directs et francs, la grande raison pour laquelle les entreprises françaises ETI sont moins nombreuses, c'est qu'entre 1980 et 2000, on a bloqué en France toutes les transmissions d'entreprises. Voilà, c'est simple. Donc elles se sont toutes vendues. Donc on a toute la génération des entreprises de l'après-guerre, tous ceux qui arrivaient à échéance, et j'en sais quelque chose parce que on a été de peu que la nôtre se vende aussi. Il n'y aurait pas eu d'usine à Blois, il n'y aurait rien eu de tout ça. Toutes les entreprises de l'après-guerre se sont retrouvées dans une situation où, brusquement, pour des raisons obscures et sans volonté d'ailleurs de l'État de casser les entreprises familiales, on a, en mettant une taxe de 40% sur la valeur des transmissions, quand vous avez une entreprise... Il fallait payer 40% de la valeur de l'entreprise à la transmission. Alors là, il n'y avait pas d'histoire de savoir si la famille s'entendait ou si elle ne s'entendait pas. Tout simplement, aucun chef d'entreprise n'a 40% de la valeur d'une entreprise qui a réussi dans son portefeuille. Donc qu'est-ce qu'il fait pour payer ? Il vend. Donc Rossignol, Salomon, Détinger, UPSA, je peux vous en citer toute une série, les transports du bois. Moi, mon engagement, autre que plus dans la société, a daté de cette époque, c'est-à-dire qu'on s'est dit,
On est plutôt tourné sur nos affaires, tourné sur nos produits, tourné sur ce qu'on a envie, sur nos projets. Mais on s'est dit, c'est absurde de travailler et de voir que la fin, ça va être ça. Pour des raisons, non pas d'éventuelles dissensions qui peuvent arriver et qui nécessitent à ce moment-là d'ailleurs de vendre. Parce qu'il vaut mieux, quand les gens commencent à se disputer, il vaut mieux vendre et laisser les choses gérées par d'autres. Mais on s'est dit, pourquoi pousser? En plus de ça, ça se vendait la plupart du temps à des groupes étrangers. Qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils surpayaient la marque française. Et puis après, pour se rattraper, ils fermaient les sites de production et ils re-rationalisaient sur leur site de production de leur groupe. Donc ça a été une erreur collective gigantesque qu'on a débloquée au début des années 2000 avec un dispositif que vous connaissez peut-être qui s'appelle les packs Dutreil, qui ont été votés d'abord par la gauche, ensuite par la droite, Anne Miller par la droite, donc sur lequel, événement rare en France, on a réussi à avoir un consensus qui a été maintenu depuis, mais c'est ça la question. Et d'où l'importance de ce débat, c'est qu'est-ce qu'on veut aujourd'hui en France faire? Est-ce qu'on veut construire des entreprises dans le temps, ou en tout cas laisser la possibilité de le faire quand c'est possible? C'est pas toujours possible, mais quand ça l'est. Donc c'est vraiment intéressant de poser cette question de l'environnement. On pourrait en parler plus largement et regarder aussi quel est l'environnement des entreprises françaises par rapport à leurs voisins européens. Mais là, ça va nous demander un autre débat et je prendrai trop la parole. Une ultime question. Non, moi, je voulais juste poser la question. Il a l'air désolé, ce monsieur, de voir que les entreprises qu'il étudie ferment les unes après les autres. Moi, je pense qu'en tant qu'historien, on peut aussi faire l'histoire d'entreprises qui ont fermé. Moi, j'ai pris beaucoup de plaisir à faire une histoire d'entreprise. Bon, c'est pas une thèse, hein. Mais finalement, ça les gens sont très contents de retrouver l'histoire d'entreprises qui ont marqué leur vie. Et bon, je trouve pas désolant, étant donné que j'étais pas payé par l'entreprise, donc j'avais pas de soucis. Sur ce fait que l'entreprise naisse, grandisse, meurt, renaisse, peut-être une chose rapidement par rapport à ce qui est fibre dans l'air sur l'environnement et votre question sur la grande distribution. Il est clair que la France a connu des Trente Glorieuses pour aller vite, un système de capitalisme d'État pour aller très 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 vite, et elle n'a pas su sortir des Trente Glorieuses, elle n'a pas su négocier la crise de la fin des années 70, début 80, et tous les grands groupes français qu'on a, qui sont quand même des grands groupes mondiaux, qui réussissent très bien à l'international, une des raisons pour lesquelles ils ont réussi à l'international, c'est qu'ils sont partis, enfin ils sont restés en France aussi, bien sûr, mais ils ont choisi une stratégie de mondialisation, que la France, c'est le quatrième ou cinquième acteur mondial en termes d'entreprise. Parce que la plateforme France, dans les années 80 en particulier, n'était plus à la hauteur. Donc, celles qui en ont pâti, c'est les ETI qui sont restées, qui par définition ne pouvaient pas lancer des politiques d'internationalisation. Ceci dit, le problème des PME françaises est plus large, parce qu'il y a aussi un déficit d'exportation. Enfin, c'est un immense problème, mais Philippe Dodano a bien pointé. Il est clair qu'il y a les grands groupes. Alors, un petit mot quand même sur l'alternance, pour synthétiser un peu Philippe Mioche et Jean-Pierre Diavet. Il est clair qu'il y a, au début, on les entrepreneurs 18e, 19e siècle. Après, on a le règne de la grande entreprise, notamment américaine. Mais c'est vrai que c'est un mouvement éternel du capitalisme. Nous sommes dans un régime capitaliste depuis trois siècles. C'est qu'on voit apparaître dans les années 70-80 des gens comme Bernard Arnault, qui sont, ou François Pinault, qui sont les entrepreneurs, qui réinventent la notion, et d'autres, bien sûr, la notion d'entrepreneur. Donc, quelque part, je dirais, il ne faut pas être trop ni schématique, tout est familial ou rien n'est familial, tout est grande entreprise ou entrepreneur. Il est clair que, ou tout est profit ou projet collectif, il est clair que c'est un mélange, un brassage. Aujourd'hui, on a des grandes entreprises anonymes, on a des fonds de spéculatifs qui sont purement financiers, et aussi on a des entreprises d'entrepreneurs et des ETI, de très belles ETI. C'est ce qui fait le charme d'une économie de marché. Je vous remercie. Bonne journée, au revoir.